président de la République Félix Tshisekedi vient de prendre acte de prestation de serment de haut magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et deux avocats généraux presse-juridiction. La cérémonie de cette prestation de serment a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Et au Mozambique, la production nationale de graphite a baissé de 35% au premier semestre 2023. Et selon le ministère de l'Économie, cette diminution importante s'explique par la réduction du niveau d'activité de la mine de graphite de Balama, la plus grande d'Afrique. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ces journaux. Comme annoncé, de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquet près ces juridictions nommées par ordonnance du 17 juillet 2020 et du 15 août 2023 ont prêté serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce jeudi dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Le chef de l'État a pris acte de leur prestation de serment tout en les félicitant sincèrement. Parmi le haut magistrat assermenté figure le premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba Kabeya, 8 présidents de la Cour de cassation, 5 avocats généraux, 21 conseillers, 5 premiers avocats généraux auprès de cette juridiction. Parlons économie, le progrès économique réalisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo ont été salués par la délégation du Fonds monétaire international. C'est ce qu'indique la mission technique préparatoire de la 5e revue de cette institution dans le cadre du programme entre les FMI et la République démocratique du Congo. Cette revue, une fois conclue, va ouvrir la voie à un nouveau décaissement au titre de facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Fiston Leko. Cette délégation du Fonds monétaire international, conduite par Calixte Aokpoksi, a été reçue ce mercredi par le Premier ministre Samalou Kondé. Plusieurs autres officiels congolais intéressés à la question du programme entre la RDC et la FMI étaient aussi présents. À l'issue de cette rencontre, le chef des missions de cette structure financière internationale s'est exprimé à la presse. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les deux dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la 4e revue déjà, la prochaine c'est la 5e revue et il y a une dernière qui est prévue vers juin, mai-juin l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. Les conclusions de cette mission doivent ouvrir la voie à un nouveau décaissement du FMI en faveur de Kinshasa dans le cadre de facilités élargies de crédit. La décision viendra du conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods. Prenons cette brève, la ville de Busan accueille la 7e conférence ministérielle économique Corée du Sud Afrique ouverte le 12 septembre. La dite conférence prendra fin demain le 15 septembre 2023. Embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique. Tel est le terme de cette conférence annuelle co-organisée par le groupe de la Banque africaine de développement et le ministère de l'économie et de finances de la République de Corée. La RDC y est valablement représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et le vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Mbadou. Les échanges portent sur la transition énergétique à faible émission de carbone et la sécurité alimentaire en Afrique ainsi que le lien de la Corée dans ces deux domaines. Et puis, focus sur l'artisanat minier dans le Lualaba. Alors que la création de zones d'exploitation minière s'est fait toujours attendre malgré le prescrit du code minier, le site minier industriel sont encore squattés par les artisanaux. La situation n'est guère reluisante. Nous avons interrogé à ces propos Donna Kambola, coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Cet expert de questions minières brosse un tableau sombre de l'artisanat. Je propose de les suivre. Le secteur minier artisanal est réglementé effectivement depuis le code minier de 2002. Il a été plutôt renforcé en termes de réglementation par la révision de 2018. Les questions qui ont caractérisé le secteur minier artisanal sont les mauvaises conditions de travail pour les artisanaux,
la question effectivement de fraude, la question de corruption, la question l'absence des zones d'exploitation minière artisanale. Aujourd'hui, quel bilan IBGH fait faire par rapport à la question? Je crois qu'on a plutôt reculé qu'avancé, parce que depuis 2 ans, le gouvernement provincial n'a aucune vision pour l'exploitation minière artisanale. Le système de fraude est vécu avec acuité. Le système famille présidentielle est revenu avec acuité. C'est vrai, on vous dira qu'on est en train de tracer les cobalt, mais c'est au prix de l'artisanat minier dont les conditions de travail ne se sont pas améliorées, parce que vous allez trouver les puits de plus de 30 mètres de profondeur. Cette question des balances revient toujours. Et bref, la réglementation du marché même pour savoir qui fixe les prix et selon quelles conditions demeure. Donc le tableau est malheureusement sombre. Quel que soit ce qu'on nous dit, l'augmentation de revenus dans les secteurs minières artisanales en province, mais ces questions de droits humains, ces questions de redevabilité, de transparence demeurent. Voilà pourquoi je considère que, quelle que soit la réforme de la loi, mais le terrain démontre le contraire, le secteur ne s'est pas amélioré. L'éternel problème des zones d'exploitation artisanale dans les Lualaba demeure. L'État n'a créé aucune zone d'exploitation artisanale qui soit conforme à la loi. Par conséquent, les exploitants sont en train toujours de s'introduire sur les sites des industriels. Et d'ailleurs, si on parle de l'exploitation minière artisanale aujourd'hui au Lualaba, vous verrez que cela s'est fait dans les sites industriels, donc les sites couverts par des permis d'exploitation. Et les entreprises tolèrent plus ou moins cette situation-là, mais c'est une tolérance imposée notamment par les politiques. Parlons sécurité à présent. L'Israël désire que la paix soit rétablie dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est ce que l'ambassadeur de ce pays ami de la RDC a fait savoir à l'issue d'une rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Jean-Pierre Bemba. Deux questions d'intérêt commun ont été aussi évoquées. Suivez Shimon Solomon, ambassadeur d'Israël basé à Kinshasa. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Bien sûr, on a parlé de la sécurité et de la défense. Nous avons discuté. Il y a des choses, le détail qu'on ne va pas dire ici. Et la relation entre nos deux pays va de très longues années. Je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but, c'est toujours d'entretenir des meilleures relations entre nos deux pays. Comme je l'ai dit, nos deux pays sont de vrais amis de longue date et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très 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 bonne conversation que nous avons eue avec le ministre. L'insalubrité, ce n'est pas seulement dans le milieu reculé, mais aussi en plein centre-ville. Nous sommes dans la commune de la Gombe, à la gare centrale, non loin de l'arrêt de bus Transco. De tas d'immondices sont remarquables. Une situation qui désole les Kinois. Francine Moukeba, jusqu'à Ntamba, ont tendu le micro pour le compte de Géopolis TV. Dans certains coins de la commune de la Gombe, miroir de la ville-province de Kinshasa, les immondices se portent bien. Ici, à la gare centrale, la situation de l'assainissement laisse à désirer, à quelques mètres de l'arrêt de bus de la société Transco. Ce sont des tas de déchets qui font ménage avec le passant, voire les tenanciers des petits commerces et leur clientèle. Une situation qui n'est pas sans réaction. Tout le monde a boyé, vous venez au Vandi, mais bas solo, bas saleté partout. Donc je ne sais pas, ils n'ont pas d'autorité, mais ils appellent tout ou non bazala awa. Oh, il faut bazala, il faut bazala ba propriété awa. Je ne sais pas, bazala raté ou c'est comment. Oh, ils ont capital, ils appellent en plein centre-ville, mais salité boye. Il n'y a même pas de poubelles, il n'y a même pas tout, on jette seulement par terre. Tout le monde est bazala ka, oh, il faut bazala ba propriété. Nous sommes dans la capitale qui est considérée comme miroir de notre pays. Quand on se retrouve devant des immondices comme ça, ça pue, il y a un danger tellement pour la population. Et des fois, on arrive à se poser des questions, est-ce qu'on est vraiment dirigé par des humains?
Alors ce que nous pouvons recommander à nos autorités, s'ils ont encore un minimum d'amour envers leur population, en tout cas qu'ils essaient de trouver une solution. Puisqu'on se rend compte que Kinbopeto dont on a parlé reste une lettre morte. On ne voit vraiment pas l'impact sur le terrain. Les odeurs nauséabondes causées par ces immondices peuvent être à la base de plusieurs soucis de santé. C'est ce qu'pense un expert en environnement responsable d'une ONG. Lorsqu'il y a insalubrité, ça veut dire ce qu'on appelle insalubrité, ça veut dire un environnement qui n'est pas sain, qui est insalubre. Et donc, on va observer qu'il y a nécessairement accumulation des déchets. On va observer qu'il y a perte de beauté, non-maintenance, déséquilibre. Probablement, on va observer un dégagement assez élevé des gaz carboniques, gaz multiples, gaz méthane. Il y a plusieurs gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, différents gaz. Et les gaz vont donc se répandre dans le milieu. Lorsque les gaz se répandent dans le milieu, comme c'est le cas pour la gare centrale, mais aussi il faut voir maintenant sur l'avenue Willery, vous avez non seulement cette accumulation d'insalubrité qui peut être constituée des déchets, mais également des eaux qui sont usées et qui n'écoulent pas et donc qui s'accumulent, ça rend insalubre. Dans une ville-province où les autorités urbaines prônent le Kinshasa Bopeto, entendez Kinshasa propre, il est bon à loi qu'une solution pérenne soit trouvée. Cela épargnerait plusieurs Congolais de certaines pathologies, surtout celles dites de mains sales, mais aussi de la pollution d'air. L'information, c'est aussi au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Place à la page internationale. Je vous le disais en titre, le Mozambique est le premier producteur africain de graphite. La performance du pays dans ces secteurs dépend largement de Balama, la plus grande mine africaine de graphite, où la production a été interrompue 2 mois au deuxième trimestre en raison de la situation sur le marché international. Selon le ministère de l'économie et du budget, la production nationale de graphite a chuté de 35% en glissement annuel au premier semestre 2023, tout en s'établissant à 58 708 tonnes. Il s'agit par ailleurs d'un taux de réalisation de 22% par rapport aux 170 000 tonnes que le pays veut produire en 2023. Suivez cet élément. La production de graphite a baissé de 35% au premier semestre 2023. Cette diminution importante peut s'expliquer par la réduction du niveau d'activité de la mine de graphite de Balama, la plus grande d'Afrique. Elle a ainsi livré 15 000 tonnes au deuxième trimestre 2023, en baisse de 66% en glissement annuel. Son propriétaire, Sierra Resources, a en effet interrompu la production en mai et juin en raison des stocks élevés de graphite sur le marché chinois, d'où proviennent ses acheteurs. Selon les bilans du plan économique, social et du budget de l'État, publié le 30 août dernier, la situation avec le graphite n'a cependant eu qu'un impact négligeable sur le secteur extractif dans son ensemble. Pour la période considérée, le secteur de l'industrie extractive a enregistré un taux de réalisation de 55% par rapport au plan annuel, malgré une baisse de 0,7% par rapport à la même période en 2021. Pour rappel, le sable minéraux, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'or et le charbon font partie des autres ressources minières exploitées au Mozambique. La production d'or a atteint 768 kg au premier semestre 2023, en hausse de 41% en glissement annuel. Près de 10 ans après l'avoir porté pour la dernière fois, le Brésil sera de nouveau auréolé du titre de premier exportateur mondial de maïs d'ici la fin de la campagne 2022-2023. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture paru hier, le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud devrait clôturer la dite saison avec un volume de 54 millions de tonnes placées sur le marché international contre 32 millions de tonnes un an plus tôt. Suivez.
C'est avec un volume de 54 millions de maïs placés sur le marché international que le Brésil va clôturer sa campagne agricole 2022-2023. Ces stocks records est lié à une abondante production tirée par de conditions météorologiques très favorables et l'augmentation de la productivité dans la plupart des zones de production, notamment dans l'état du Mato Grosso, situé dans le centre-ouest et principal fournisseur du pays. La récolte du pays est ainsi estimée à 137 millions de tonnes en 2022-2023, soit 20 millions de tonnes de plus que l'année précédente avec une superficie de plus de 22 millions d'hectares et un pic de rendement se situant autour de 6,8 tonnes par hectare. Avec son volume d'exportation record, le Brésil surclasse largement les États-Unis dont les ventes sont attendues à 42,5 millions de tonnes, un niveau en fort recul comparativement aux 63 millions de tonnes de l'année dernière. En s'imposant dans les commerces de maïs, le pays confirme sa place de géant agricole dans le monde. Troisième plus grand exportateur global de produits agricoles derrière l'Union européenne et les États-Unis, le Brésil est déjà le leader dans l'exportation des sucres, de soja, de café, de viande de poulet et de bœuf. Au Brésil, le secteur agricole est l'un des plus importants au monde. Le pays d'Amérique latine joue un rôle prépondérant dans la production et le commerce d'une grande diversité de produits, des oléagineux aux plantes sucrières en passant par le céréal. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux et médias en ligne parus qui publient. C'est jeudi 14 septembre 2023 à Kinshasa. Place à la revue de presse. Pour lire ces différents journaux, je reçois Patience Lokeke. Bonsoir. Bonsoir Diodjo Moulamba. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci. Avec vous, nous allons lire quelques journaux. Le Conseil d'État a suspendu l'ordonnance de la ministre d'État en charge de l'environnement. C'est écrit sur actualité.cd. Le Conseil d'État a suspendu l'ordonnance de la ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a ramené la coordination de la Convention sur les commerces internationaux des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, CITES en sigle, sous le tutelle de la Direction de la conservation de la nature, DCN, à la place de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Le site précise que le Conseil d'État estime que l'ordonnance de F. Bazaïba est illégale et porte atteinte au décret portant création et fonctionnement de l'ICCN. Et puis il y a la CENI qui a reporté la publication de listes provisoires de prétendants à la députation provinciale et de conseillers communaux. Oui, c'est à lire sur Digital Congo. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé à travers un communiqué rendu public le mercredi 13 septembre les reports de la publication de listes provisoires des candidatures recevables et irrécevables de prétendants à la députation provinciale et aspirant au poste de conseiller communaux à une date ultérieure. D'après la centrale électorale, ce report est dû à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures. Et puis un autre sujet politique, c'est le militant du parti Alliance pour le Changement, parti cher à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound, était dans la rue ce matin. Oui, c'est ce qui renseigne Mbote.cd. Le militant du parti politique Alliance pour le Changement ont manifesté leur colère dans la rue après la condamnation de leur président par la Cour de cassation. Ils ont barricadé les principales routes du quartier Kingaboa. Le journal précise que les projectiles ont été même échangés entre le manifestant et les forces de l'ordre venues dans le but de rétablir les calmes. On va boucler avec le sport. Cannes, Côte d'Ivoire en 2023, la RDC connaîtra ses adversaires le 12 octobre prochain. Oui, selon 7sur7.cd, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations est prévu le 12 octobre 2023.
à Abidjan, en Côte d'Ivoire, devant la CAF, après avoir enregistré toutes les nations qualifiées pour cette 34e édition qui va se dérouler en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune surprise car toutes les équipes qui vont y prendre part ont déjà disputé cette compétition. Merci Patience Lokeke pour cette revue de presse. Merci à vous. Voilà, c'en est fini pour la revue de presse. Ce journal tend à sa fin, place à la... Voilà, ce journal tend à sa fin, mais place au rappel du titre. Le président de la République a pris acte de prestation de serment de haut magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des avocats généraux presse-juridiction. La cérémonie de cette prestation de serment a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Et puis, on s'est rendu au Mozambique où la production nationale de graphite a baissé de 35% au premier semestre 2023. Selon le ministère de l'Économie, cette diminution importante s'explique par la réduction du niveau d'activité de la mine de graphite de Balaman, la plus grande d'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.